prima dea teva. Adam kalul bateva, im kalul adam bateva, kluli kol ma'asa. Il n'y a plus rien de cet arabe-là. Tu vois la dacim, deux semaines, même les feuilles commencent à être sèches. Il n'y a plus rien. Même un homme, quelle mitzvot ne peut pas tenir. Où tu as vu une personne qui fait quelle mitzvot et derrière lui, il n'y a pas la Torah qu'il peut tenir. Toute la Torah, c'est travailler des midot. Tu veux aider ton prochain, comment tu peux l'aider sans le critiquer, sans être rancunier, sans être énervé, sans être jalouse, sans être un peu... Il faut que j'ai dit mon dernier mot. Si tu fais quelle mitzvot sans Torah, ça aussi, ça ne tient pas. Avec le temps, il y aura des intérêts qui le rentrent. Après, on a quoi? On a les loulav. On va dire, bon, laisse les mitzvot. Moi, je fais quelle étude? Quelle étude? Quelle étude, 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 étude? C'est pas possible. Où sont les mitzvot? L'homme, tachlit, et toutes les limouds, tous les buts des études, ce qui te ramène à Torah et Maasim Tovim, que tu fais l'action, que tu aides les gens. Donc on voit que Torah toute seule, c'est pas assez. Mitzvot toute seule, c'est pas assez. Il nous reste maintenant les trogues. Les trogues, ils symbolisent quoi? Les juifs parfaits. Moi, j'ai une question, je vais une couchée à te faire. Parce que même les trogues, bassor, il tient jusqu'à Pessah. Et pourquoi il tient pas jusqu'à... Alors, si tu veux voir Gishmi, bien sûr, il est arraché de son racine, c'est normal. Mais spirituellement, parce qu'on parle spirituellement, les trogues, il a les mitzvot et les massim tovim. Les trogues, ils présentent l'homme qui fait les Torah et les mitzvot. Pourquoi aussi un homme qui fait les Torah et les mitzvot, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, il n'a pas la joie? Normalement, on doit être joyeux, oui ou non? C'est marqué Or Zaro la Tzadik, Velechre le Simcha. Tu vois un homme qui fait les Torah, les mitzvot, le Simcha, tout son corps, il les donne les Avodat Hashem. Tu dis, waouh, c'est ça la Torah, moi je vais être comme lui, je vais coller à lui, je vais être à côté de lui. Il me donne de l'oxygène. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de gens comme ça. Tout le monde dans les... Rabbi Nachman, il dit, je ne suis pas Breslev, mais j'aime Rabbi Nachman, j'aime tout le monde. Mais Rabbi Nachman, il dit, notre génération, il y a deux choses. Il y a beaucoup d'orgueil, beaucoup d'imagination. Imagination. L'homme, il vit par imagination. Donc on voit que même quand tu fais les Torah et les mitzvot, si tu n'as pas réveillé en toi un point caché de chacun de nous, que ce n'est pas maintenant combien tu fais les Torah, combien tu fais les mitzvot, c'est juste si tu as réveillé en toi ce point, que tu comprends pour qui tu fais les Torah et les mitzvot. Si on comprend pour qui on fait les Torah et les mitzvot, et on connaît celui qu'on fait pour lui les Torah et les mitzvot, ça veut dire Dieu. Si on connaît cet Dieu, que beaucoup on ne le connaît pas, si vous regardez vraiment chacun, peut-être vous connaissez, peut-être je m'étrape, mais pas pour moi. Chacun doit chercher à voir combien je connais Kadosh Baruch Hu dans mon cœur. Parce que la Avodat Hashem, elle peut être parfaite. Elle peut être parfaite. Tu peux voir des gens qui font les tuilot, qui font les brachot, qui s'habillent comme il faut. Et tout parfait, mais le cœur, il n'est pas là. C'est marqué, Kadosh Baruch Hu, il dit, Al machar va'aretz, al azva metorati. Je me dis, pourquoi la terre était détruite? Parce qu'ils m'ont lâché mon Torah. Racham me dit, comment lâcher ta Torah? Toute la journée, ils ont étudié. Oui, mais dans le cœur, bifnim, la nekuda, les points que j'attends un juif depuis qu'il est né jusqu'à 120 ans, qu'il créait cette lien entre moi et lui. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux être étrog, tu peux être quelqu'un qui fait les Torah et les mitzvot, et encore, c'est tout extérieur. Tout ce qu'Hachem veut, c'est l'intérieur. C'est quoi l'intérieur? C'est quelque chose qui est caché. Que même nous, on n'a pas vraiment analysé, on n'a pas fixé cette regard vraiment. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Chaque jour, on doit dire qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Combien j'ai rapproché les distances qu'il était créé depuis ma naissance, maintenant à travers de mon action. Les actions, comment je parle, comment je mange, qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que j'entends, comment je m'habille, où je vais, dans quel endroit, tout ça, c'est des légères clipotes, légères, tout petites écorces qu'il cache. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez l'autre cours, mais bon, peut-être vous vous souvenez, on a dit que c'est comme une bougie. Vous vous souvenez ou pas? Qui se souvient? C'était il y a combien de temps?
c'est pas une rapproche chasse khalila. C'est juste que, même si vous croyez que c'est juste une petite répétition, mais imaginez-vous une bougie. Là, c'est une bougie allumée, une grande bougie. Et maintenant, je prends cette foulard, ou plusieurs foulards plus épais, et je les cache. Chaque couche, il diminuait la tonacité de la lumière. Non? Alors imaginez que chaque couche, c'est une action mauvaise que j'ai fait. Ou pas exprès. J'ai écouté trop de la shonara, j'ai fait de la shonara, j'ai mangé son brachot, ou j'ai fait X, Y, Z averot. Donc, avec chacun notre âge, notre vie, ça ramasse gentiment, jusqu'à tu parles avec quelqu'un au fond. Tu dis, tu comprends des choses ou la lumière d'Hachem, tu dis, quelle lumière, je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, qu'est-ce que, pour arriver à voir cette lumière, il faut que je commence à être un peu plus léger. Ça veut dire, j'enlève chaque couche. Comment je l'enlève? Dans les pratiques, dans les mitzvot. Les gens, ils entendent les mots mitzvot, ah, ils vont faire tshuva, ah, ils vont changer ma vie, ah, il faut que j'efface. Mitzvot, vous savez comment les Zohar, il appelle les mitzvot? 613 itin shelorayta. C'est comme itin, c'est comme la vache. Elle a beaucoup de choses qui sortent le lait, les tétines, les pipes. Et le bébé, il tète. Imaginez-vous, les Zohar, il dit, les 613 mitzvot, c'est 613 puants d'énergie, de force qu'Hachem veut te donner. Juste, il faut que tu le prends. C'est qu'il y a celui-là qu'il donne et celui-là qu'il reçoit. D'accord? Donc, quand je ne prends pas, bonsoir, quand je ne prends pas tout ça, c'est moi toute seule que je mets des limites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas cette lumière. Et pour que je puisse voir cette lumière, pour que j'enlève cette couche, c'est dans les pratiques de la mitzvot. Maintenant, si je reste quelqu'un qui n'a ni les Torah ni les mitzvot, toute cette énergie qu'il y avait dans les fêtes, que normalement les fêtes, on a les régalines, Hachem, il nous a entouré de 365 jours qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie, que ce soit à travers des fêtes. Les fêtes, c'est la base. Pessah, ça te donne ce que c'est la liberté. Les notions d'un homme libre à Pessah. Si tu vis comme il faut à Pessah, tu peux être libre de toute cette envie, de toute cette envie qui te met dans des prisons. Si tu vis bien Shavuot, ça ne reste pas que dans le côté extérieur des fromages et quel gâteau, etc. Tu reçois vraiment la Torah, tu sors de Shavuot, tu sens que tu as reçu la Torah dans tes tripes. Donc si tu vis bien Pessah, tu es libre, tu reçois la Torah, tu as la Torah, il te manque quoi? La joie dans tout ça. Arrive Sukkot. Pour ça, c'est les régalim que tu prends trois choses principales. Après, tu as des fêtes autour toute l'année, plus Yom Tov et plus Chol HaMoed, plus Rosh Chodesh, plus Shabbat, tu as des possibilités de se remplir non-stop. Maintenant, disons que tu n'as pas su utiliser toute cette lumière. Tu étais quand même dans une lumière. Qui peut dire qu'il n'a pas senti quelque chose de fort pendant Sukkot ou Bichlal dans les fêtes? Rak, qu'on était autour de la famille, qu'on était dans une autre dimension, ça c'est déjà quelque chose qui te donne une joie. D'accord? Maintenant, après ça, tu sors. Comment on peut garder toute cette lumière et pas tomber dans les. qu'on ne va pas tomber dans la routine, dans la tristesse et tout ça? Il faut que je ne reste pas comme c'était à Rava, ni les Torah, ni les mitzvot. Mais il ne faut pas non plus que je reste qu'avec les mitzvot. Il ne faut pas non plus que je reste qu'avec la Torah. Donc, quand est-ce que je sors de moi le meilleur, parce que même la Torah et les mitzvot, c'est une seule chose. Si on a compris qu'il y a une racine, il y a une lumière à l'intérieur de chacune de nous qu'on doit la développer. L'occasion pour la connaître, c'est pendant les fêtes. Si on ne l'a pas connue pendant les fêtes, après les fêtes, c'est un peu plus difficile. Vous savez, les fêtes, c'est pour l'exemple que je donne toujours. Imaginez-vous, vous devez monter la tour Eiffel à pied. Maintenant, tu ne veux pas prendre l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Toute l'année, c'est une étape par étape. Mais d'où je prends la lumière? La fête, elle nous donne comme une poussière les mêmes choses qu'il y avait à Matan Torah, les mêmes choses chaque année, à cette époque, à cette fête,
la même capacité de recevoir la Torah comme les Israélites ont reçu la Torah. La même capacité de sortir d'Égypte comme Bnei Israël ont sorti d'Égypte. La même capacité de sentir la joie des Sukkot, des êtres dans les cabanes avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça la vraie joie que l'homme comprend. Tout ça, c'est dans les fêtes. Maintenant, il parle des fêtes. C'est jette. Achab, il n'y a pas de fête. Qu'est-ce que je fais? Ah, maintenant, il faut que j'ai acquis toute cette joie toute seule. Donc, Chachamim, il te dit, d'un côté, ne sois pas comme l'Arava. Regarde l'Arava tout de suite, toutes les fêtes, le reste, il tombe. Donc, il faut que je comprenne que même si je suis à l'opposé, je suis comme l'Etrog, même le Talmid Chacham qui étudie la Torah et qui fait les mitzvot, il faut qu'il me kaven bekol darkecha da'eu. Donc, tout ton chemin, de toute ton parole, tout ce que tu fais, da'eu, c'est quoi da'eu? C'est la connaissance, da'at. Va'adam yada et chava, ça veut dire chibur, connexion entre ce que je sais. Ce que je vis. Pas je connais beaucoup de choses, mais je vis opposé. Quand je connais et je sens les choses ensemble, c'est une chibou, c'est la date, c'est une connaissance. Donc il faut que je connais Hachem. Si je ne connais pas Hachem, je peux vous parler jusqu'à demain. Vous ne savez pas pour qui, c'est qui c'est Dieu qui t'attend depuis que chacun de nous, depuis qu'on est né. Il nous attend, mais il nous attend dans une manière beaucoup plus et profonde et sincère et intérieur, pas l'extérieur. Malheureusement, dans notre génération, il y a beaucoup, beaucoup d'avoda, il y a d'avoda, mais c'est une avoda extérieure. Faire, pour débarrasser, pour que je n'aurai pas la punition, que mes enfants aient réussi, qu'on soit des tzadikim, qu'on aura la parnassa, qu'il n'y aura pas ça, et qu'on évite ça. Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de mitzvot, si on prend dans notre journée, dans notre semaine, dans notre vie, qu'on fait vraiment pour Hachem. Et pourquoi? Pourquoi on ne fait pas pour Hachem? Est-ce que quelqu'un ici, il ne sait pas est-ce que c'est une Seudat Amen? Parce que c'est très important que vous compreniez que Seudat Amen, c'est quelque chose qu'il prend tchik-tchak, mais c'est le résultat, il n'est pas tchik-tchak. Le résultat, il est pour nous, pour chacun de chaque fille qui participe. Donc juste, est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu cette Seudat Amen ou vous n'avez aucune idée? Comment? Je veux bien que vous expliquiez. Il n'y a personne qui... Non, je vous explique pourquoi j'aime bien. Chaque fois, j'essaie dans les cours de faire les Seudat Amenim, parce qu'il faut comprendre que dans les profondeurs des choses, même dans la nourriture, il y a extérieur et intérieur. Donc chaque aliment, il est matériel, mais il y a une spirituelle dedans. Je suis attirée par le manger que je dois réparer par rapport à ma neshama. C'est pas simple que toi tu aimes popcorn, toi tu peux pas voir le saumon, et l'autre elle aime le concombre, l'autre elle adore les tomates. Toi tu adores ça. Moi. Chacun de nous, il est attiré par quelque chose par rapport à ce qu'il doit réparer dans sa neshama, dans cette monde, dans cet ikonim, dans cette monde. Donc chaque aliment qu'on mange ou qu'on boit, il a une étincelle. Étincelle qu'on doit réparer. Qu'il y a un rapport avec ma neshama. Donc, quand je fais la bracha, j'élève la spiritualité qu'il y a dans la matière, d'accord? Donc, il devient une partie de moi. Et c'est comme ça que je répare, même les, si il y a une neshama dedans. C'est des nitzotzot. Des fois, oui, des fois, non. Il y a des histoires, des tzadikim, qu'à l'époque d'Arizal, ils ont dit à quelqu'un, je ne me rappelle plus son nom, qu'il peut réparer la neshama de son frère ou de sa mère, je ne me rappelle plus. Et dans la nourriture. Donc il doit faire très attention quand il mange. Parce qu'il a vu dans les Ruach HaKodesh qu'il y a un tikkunim, qu'il y a des neshamot, des fois, qu'il attend comme ça qu'on les répare. Comment on les répare? Dans la nourriture. Il y a dans les... Je ne vais pas vous compliquer, mais juste comme ça. Il y a quatre niveaux que la neshama, elle revient dans cette monde. Ce n'est pas le sujet, mais pour que vous compreniez. Il y a dans les minérales, végétales, vivants et medaber. Donc l'homme, première fois, il vient comme un homme, il revient une réincarnation et tant qu'il finit son tikkun. Mais s'il ne fait rien du tout, il peut revenir dans le minéral, végétal ou vivant. Donc, quand je fais la bracha, j'élève la spiritualité qu'il y a dans cette popcorn, il n'a l'air rien du tout. Donc, on élève. Donc, cette personne, on lui a dit que fait très attention quand il fait le brachot, parce qu'il peut réparer la neshama de sa mère ou de son frère. Et toute sa vie, il a fait attention.
Et un jour, un mekoubal lui a dit, tu as mangé comme un, excuse-moi pour le mot, comme un animal, une fois une date. Et dans cette date, il y avait ta mère qu'elle était mégoulgélite, sa neshama. Donc après, il faut attendre une autre occasion que ça tombe dans la main des juifs, que cette date passe par un juif et qu'il fait la bracha de kavana pour l'élever, élever la spiritualité. Comme ça, on répare. Donc quand on mange comme ça, pour nous, c'est, ça fait une partie de notre vie. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'homme, il faut qu'il mange. Justement, tous les nissayons, c'est dans le manger. Une chose que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans le monde, une chose principale pour que l'homme continue à remplir le monde, c'est à travers des nourritures, à travers des prières via. Quand un homme et une femme, ils sont ensemble, le monde grandit. Donc l'homme, il doit faire attention, et c'est, entre guillemets, c'est comme deux pièges. Que l'homme prend les buts, il prend que les plaisirs qu'il y a dans la nourriture, et il prend les plaisirs qu'il y a dans le fait qu'un homme et une femme, c'est pour multiplier le monde. Donc l'homme, il a abîmé un petit peu. Donc c'est, pour ça, c'est très important d'expliquer que quand on mange, tu peux créer un monde pendant que tu manges. Pendant que tu vois tes enfants à manger, comment tu leur apprends que chaque nourriture, c'est d'abord, c'est comme ça, une halakha générale, que vous sachiez que chaque fois que vous mangez, que vous faites la bracha, vous descendez directement chez vous une bracha. Pas simplement chez vous, chez tout un Israël. C'est pour ça que quand il mange son bracha, on l'appelle gazlan. Quand il a ouvert le bracha, il crée gazlan. Lama gazlan, gazlan, c'est comme s'il vole. C'est une manière de voler. Pourquoi? Parce que pas simplement que tu n'as pas amené les chefa sur toi, tu as enlevé de tout un Israël qui devait avoir cette chefa parce que tu n'as pas fait la bracha. Après, il y a encore plein de choses. C'est un cours à part qui est sur ça. Mais là, on arrête ici pour ne pas les aimer. Déjà que vous sachiez que chaque bracha, c'est important. Maintenant, dans les Seudat Amenim, il y a cinq choses. Il y a mesonot, ça peut être des gâteaux ou des sushis, mais en général, c'est des gâteaux. Que quand tu fais mesonot, tu as une kavana, que ça, ce goût-là, c'est une remède pour la parnassa. Tu fais une attention dans ta tête, Bezrat Hashem, que ma parnassa soit mieux. Après, quand tu fais les geffen, ça, c'est une remède pour tous ceux qui n'ont pas les zivoug. Et certains disent aussi pour avoir les bébés. Quand tu fais les etz, geffen c'est vin ou jus de raisin, mais etz, c'est tout ce qu'il pousse sur l'arbre, on pense que c'est pour les enfants, qu'ils soient dans les bons derrière. Adama c'est pour la santé, shakol c'est on rentre tout dedans. Tout est que j'ai réussi, j'ai trouvé une maison, je passe les bas, kol shakol. Donc ça c'est bien, toujours de sanctifier une petite rencontre, Shabbat. Yeah. Tu es avec les bébés à la maison, tu ne peux pas sortir. Tu invites quelques copines, tu mets mesonot, geffen, tatata, brachot, optadim, bracha. On est tous en répondant amen. Ça veut dire quoi amen? Amen, c'est aleph mem nun sofit, c'est 91. Comment on dit un ange? Un ange en hébreu, c'est malach. Malach, c'est aussi 91. Donc chaque amen, on crée un malach. Vous comprenez, chaque amen, on crée un malach. Donc, si on fait 5 brachot fois toutes les amenim, c'est des malachim qui vous accompagnent. Vous savez, un jour, Bezrat Hashem, on fait une soirée avec toutes les cours de tous les témoignages des filles. Que des miracles s'est passé avec des brachot, des soudat amen, même pas dans les cours, bichlal, en général. Il y a des histoires. C'est, ça amène beaucoup de brachot qu'on fait à la maison, sur les brachot. Les gens qui. En général, on ne fait que Seudat Amenim. Moi, comme je fais ça rapide, c'est on fait les cours plus de Seudat Amenim. Pourquoi? Pour profiter de cet Amenim. C'est pour ça qu'on appelle ça Seudat Amenim au pluriel. Parce que Amenim au pluriel, on crée des malachim. Un homme, la Torah, elle est spirituelle. Comme tu ne vois pas le vent, tu peux la sentir, tu ne la vois pas. La spiritualité, tu as fait une bracha. Tu imagines maintenant. Qu'est-ce que cette bracha elle a fait dans le ciel? Elle t'arrive jusqu'à la racine de ta neshama. Maintenant, tu sais c'est quoi ta racine de ta neshama? Tu ne sais pas, mais tu as fait une bracha. 6 mois après, tu dis, Baruch Hashem, je me sens mieux. Putain, j'ai moins d'angoisse. Je suis moins en colère. Je suis contente de peu. Je commence à être des changements que l'homme, il a ouvert la possibilité
dès qu'on voit cette lumière. Ce qu'on a dit, la lumière. Ça veut dire, qu'est-ce qui me permet de voir cette lumière? Que chaque fois, j'ai enlevé une couche. Ça veut dire, chaque fois que je fais une bracha, j'ai enlevé une couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche, tu vois la lumière. Tu comprends que quoi? C'est quoi la lumière, cette lumière que je parle depuis tout à l'heure? C'est notre neshama, hein? Neshama de chacune ici, qu'elle est couverte, de où on est venu, comment on était grandi, dans quel secteur. Il y a des filles d'un rave connu, qu'elle m'a dit, elle est venue comme ça. Elle est venue, elle me dit, je vais te parler, je vais te dire quelque chose que tu peux l'utiliser. Elle me dit, je peux vous rassurer. Pas rassurer, je peux vous jurer. Elle m'a dit quelque chose comme ça. Qu'elle a grandi avec un père tzaddik, tzaddik, tzaddik. Il m'a dit, il n'y a rien à dire. Mais il y a une chose que j'ai. Personne n'a parlé. Elle n'était pas grandie avec cette idée. Maintenant, elle a 38 ans aujourd'hui. Hein. Elle n'a pas grandi sur cette idée qu'il y a Dieu, que Dieu il attend, que je communique avec lui, que je suis important pour Hachem, qu'il y a une halakha. Que si maintenant Gaon Hador, que tout le monde l'appelle chaque jour pour avoir une réponse, un conseil. Il est entre la vie et la mort, il lui manque un organe. Et en Australie, vit un vieux, il a 102 ans, 110 ans. Il est vraiment la famille, il réagit plus, il est, comme on dit, végétal, tzemach. Lui, il a cet organe qu'on peut prendre chez lui, chez cette juif-là qui vit en Australie. Et donner au Gaon Hador, que toutes les générations, on a besoin de lui. Est-ce qu'il peut, on peut prendre de cet homme qu'il a à la fin de sa vie pour sauver quelqu'un qui va sauver l'humanité? La halakha ne te dit pas du tout. Ça veut dire quoi? Même si on va dire qu'on va donner un juif, on va sauver 1000 juifs, ça aussi la halakha te dit non. Pourquoi? Pour qu'on comprenne combien on est cher aux yeux d'Hachem. Combien on est important, combien Hachem il t'aime, même si tu crois qu'il ne t'aime pas. Parce que des fois on dit, ouais, je ne fais pas Shabbat, je ne m'habille pas de tzniout, je ne couvre pas la tête, je fais plein d'avérot. Donc Hachem, c'est vrai que cette bougie, elle est complètement couverte, on ne sait même pas qu'il y a une bougie. Mais ce n'est pas grave, quand tu commences à enlever, tic, 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 comment tu enlèves une petite mitzvah là, une petite, tu écoutes quelque chose là, tu n'es pas obligé de monter directement pour l'ascenseur parce que ce n'est pas les fêtes. Tu montes escalier par escalier. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est certain que j'ai besoin d'illuminer ma neshama. Pourquoi vous croyez qu'il y a beaucoup de tristesse dans cette génération? Ce que Chachamim nous dit, hein? C'est parce que les gens ils sont trop sur l'extérieur. Ils ne sont pas dans l'intérieur. Si juste on rentre dans l'intérieur de chacun de nous, tu vas illuminer cette neshama qu'elle est à l'intérieur de toi, qu'Hachem il attend que tu l'illumines, parce que dès qu'elle est illuminée, le contact va être plus facile avec Hachem. Kol ma shemavdil, c'est marqué comme ça, le Navi dit, les avonot, c'est eux qui nous séparent entre nous et Hachem. Les avonot, c'est quoi les avonot? Chaque avera, elle ramène une couverture dans cette lumière. Est-ce que jusque là c'est clair? On peut trouver maintenant à travers des aujourd'hui dans les Bezrat Hashem qui ont Rosh Chodesh Bezrat Hashem Chodesh Cheshvan, comment ne pas tomber dans les routines ou tristes, ou si Khalila, quelqu'un il n'a pas beaucoup de mitzvot, il n'a pas beaucoup de bonnes actions, il n'a pas beaucoup de Torah comme la Arava, comment Bichla lui, alors qu'est-ce qu'on va lui dire? Lui Bichla, il présente déjà celui-là qui ne fait pas les Torah, il ne fait pas les mitzvot, il n'y a pas de fête. Qu'est-ce qu'il va rester? Donc, les Yetzara, vous savez que de quoi il nourrit les Yetzara? Quand il nous pousse à faire une Avera, vous savez ce qu'il aime les Yetzara? La Avera que tu l'as fait, ok, c'est une chose. Mais les regrets, les tristesses que tu prends après, c'est ça qui, de ça il nourrit. Exactement. Ça, il ne faut pas lui donner. Vous savez, les Yetzara, il faut le connaître. Les Yetzara, il a 7 noms. Une des noms de Yetzarara, c'est, on appelle son Echa, te donne l'impression que Hachem te déteste. Et toi-même, tu dois te détester toi-même. Que quoi que tu fasses, c'est pas ça. Donc il te fonce encore plus. On est dans notre génération, on n'a pas besoin d'être enfoncé. On est déjà enfoncé dans l'air, il y a un enfoncement
de l'homme aujourd'hui. Vous savez, on a beaucoup de mérite aujourd'hui de vivre dans notre génération, parce qu'il n'y a rien qui est sûr. Aujourd'hui, les pauvres et les riches ont les mêmes peurs. Les malades et celui-là qui n'est pas malade, ils ont les mêmes peurs. Les riches et les pauvres, ils ont peur de ne pas avoir d'argent. Les malades et celui-là qui les guérit, il a peur d'être encore malade. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hachem, il nous pousse les hâtes vers toi-même. Ça suffit avec les cinémas extérieurs. Tu fais, tu as fait, etc. Combien tu es proche de moi, c'est, tu dois me montrer avec ton cœur. Libaba, Hachem veut ton cœur. Il ne veut pas ton physique. Que tu couvres ta tête et tu habilles tzni ou t'es tout, mais tu accuses la terre entière. Ou tu rentres, ah, celle-là, je m'énerve. Ah, j'aime pas celle-là, la tête que là, j'aime pas. Et celle-là, et tu aimes pas. Et celle-là, elle t'énerve. Et tu fais de la chambre. Donc, qu'est-ce qu'aime une religieuse que tu es? Vous savez, si tu veux, le Baal Shem Tov dit, si tu veux voir ta dose, c'est comme une température. Si tu veux voir où tu en es dans l'avoda que tu fais avec toi-même, regarde quelqu'un qui l'a fait, à ton avis, une avera. Stam Dugma, par exemple, et tu vois quelqu'un en pleine synagogue, son téléphone, il sonne. Ta première réaction, c'est quoi? C'est ta première réaction. Laisse après qu'il faut travailler les midotes, il faut aimer tout le monde, etc. Ta première réaction, c'est quoi? Quel culotté? Il n'a pas pu rester chez lui avec son téléphone. Est-ce que tu vas dire, peut-être il est descendu vraiment pour la tfila, et son père, il est entré la vie et la mort, il lui a dit, papa, t'inquiète pas, je fais la tfila, tu m'appelles, je viens. Est-ce qu'on peut penser, ça, pour arriver à une réaction comme ça, ça ne vient pas comme ça. Derrière ça, il y a un travail des midotes. Mais pour que je travaille mes midotes, qui va m'amener à travailler mes midotes? Comme cette fille qu'elle a grandi dans une paix religieuse sadique, mais personne ne lui a parlé d'Hachem. Il fallait se lever. T'as fait Modani ou pas? Allez, vite. T'as fait Netilat? Allez, Netilat et Daim. Allez, Birkat Amazon, tu. Habille-toi de Tzniout. J'aime pas cette colonne. Pourquoi c'est? Arrange tes cheveux. Tout, comme une soldat. D'accord. Petit, on le fait. Mais 18 ans, 20 ans, 30 ans, elle en va balader tout le monde autour d'elle, même son mari. Elle, d'ailleurs, elle a même quitté son mari religieux, Talmid Chacham. Tout pourquoi? Parce qu'elle avait besoin de descendre des Bira Amikta pour aller les Bira Rama. Elle est descendue tellement bas que quand tu le voyais bas comme ça, tu dis waouh, c'est quoi? Mais pour remonter, pourquoi? Parce que, vous savez, Chachamim, il dit, plus le fruit il va être douce, plus il est amer au début. Il y a des développements que si on les voit comme ça, un épisode, on a peur, on ne comprend pas les choses. Mais il faut savoir que tout, il y a un but où qu'Hachem nous amène, ou que nous, avec notre choix, on nous ramène nous-mêmes. Cette personne, ben, sauf parce que c'est l'exemple, elle est arrivée de cette bas qu'elle était, elle a compris qu'elle n'a aucun contact avec Hachem. Elle ne connaît pas. Elle a fait les choses, mais elle ne sait pas pour qui. Donc, c'est tellement important de creuser à l'intérieur de moi, de parler avec Hachem. Il attend qu'on lui parle. C'est quoi, Karov Hachem Ekol Hachekriou Be'emet? Hachem, il est proche à tous ceux qui l'appellent vraiment. Pourquoi on ne l'appelle pas tous les jours? On l'appelle aussi tout le monde. Quand on a besoin d'aide, on a besoin de Paul, Pierre, Jacques. Mais si il n'y a pas personne, il n'y a qu'Hachem. Bah, tu l'appelles 100%. Il n'y a pas 10% là, 20% là, 30% là, 5% là. Donc, combien tu maximum, si t'aides, il t'aide 5%. Mais si c'est 100% Hachem, c'est 100% qu'il va t'aider. Maintenant, pourquoi on arrive à cette situation aujourd'hui, dans notre monde, qu'on vit aujourd'hui, que rien n'est sûr? Les gens croient que leur argent, c'est sûr. Moi, j'ai attendu une fille, elle a parlé dans les groupes, dans les cours, que des jours au lendemain, tout un investissement qu'ils ont mis de 20 ans de travail, un mauvais investissement, tout est parti. Des jours au lendemain. Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a un hasard? À Kol Mekouvan, à Kadosh Baruch Hu, il est là, il gère tout. Donc, Hachem, il nous pousse les hâtes, pour que tu reviennes à faire un point avec toi-même, qu'on soit sincère. L'homme est jamais ce qu'on fait, mais ce que tu fais, même tu fais une petite chose, tu fais rien, mais tu fais une chose, tu peux le faire sincèrement pour Akadosh Baruch Hu, de lui parler, de lui dire Hachem, je ne sais rien faire, je ne fais rien,
Mais voilà, je fais une petite chose, mais il est pour toi. Cette pour toi, c'est quoi une mitzvah, goreret mitzvah? Il y a beaucoup de gens qui font une mitzvah, ils n'ont pas une autre mitzvah après. Pourquoi? Parce qu'il faut que la mitzvah, pour qu'elle ramène ses copines au corps de mitzvah, pour qu'elle soit forte. Comprenez? Mais si je fais extérieur, j'aurai les récompenses extérieures. Pour ça, il n'y a pas de problème. Hachem, il récompense tout ce qu'il faut une mitzvah. Tu as aidé la pauvre, tu as donné la tzedaka, tu as répondu, tu as fait. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une lumière que tu dois prendre de cette mitzvah. Ça, il nous manque. Est-ce que vous comprenez? Quand on est extérieur, on a une récompense. Mais on n'a pas la lumière qu'on a besoin de chercher à l'intérieur. Que c'est ça qu'il m'amène. Ce n'est pas une quantité, ce n'est pas qu'est-ce que tu fais, et ce n'est pas est-ce que c'est assez ou ce n'est pas assez. On ne parle pas de quantité, qu'est-ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Déjà, ce que tu comptes faire ou tu fais aujourd'hui, c'est juste d'investir des kavanot, des attentions que je l'ai fait pour Hachem. Vous savez, il y a une fois une maman qui a cherché son fils, c'était il y a 12 ans cette histoire, mamache. Mais elle a crié, j'avais les frissons, je croyais que je m'évanouis pour elle, tellement que j'ai eu peur pour son fils, pour elle, mais sa cri, il m'a fait quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il m'a pris, je l'ai attrapé, je lui ai dit, mais madame, je ne comprends pas, c'est une perruque que tu as dans la tête, et où est ta émouna, qu'on va trouver ton fils et qu'il n'a rien. Putain, mais elle m'a regardé comme ça, et il nous regarde, qu'elle ne savait pas répondre sur cette question. Mais moi, j'ai posé la question parce que pour moi, si tu couvres la tête, si tu t'appartiens à une, on va dire, l'armée d'Hachem, tu dois sentir Hachem dans ta vie. Donc, c'est vrai, on peut avoir peur. Mais normalement, on ne doit pas avoir peur. Est-ce que vous arrivez où je vais arriver ou pas? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Vous me comprenez ou pas? Donc, c'est ce que je vais arriver de là, c'est qu'il y a un point. Que si vraiment on est avec Hachem, si vraiment, pourquoi on reste, on est rempli de peur, rempli de rasra, on n'est pas, il n'y a pas. Aujourd'hui, les gens, ils ne sont pas besimcha. Et le problème, c'est que tu ne donnes pas envie à ceux qui ne sont pas religieux. Tu comprends? Alors, il dit, oui, celui-là, il est comme ça, l'autre, mais parce que nous-mêmes, on n'a pas encore sorti cette graine au potentiel qu'il y a en nous. Qu'est-ce qu'il faut que quelle graine, elle va pourrir et après, elle va germer? Faut le mettre au contact avec la terre, sinon qu'est-ce qu'il va lui faire germer? C'est quoi la force qu'il donne la graine à germer? La terre. C'est quoi la terre? C'est que je comprends qu'Hachem il m'a mis en moi une étincelle divine. Quand Hachem il m'a créé, qu'il a créé chacun de vous, sans exception, il a insufflé en nous de lui-même, il a soufflé. Est-ce que vous comprenez? Il a insufflé en nous une souffle de vie. Mais on coule aussi dit de où il a soufflé. De lui-même, il a soufflé. Donc, Betzelem Elokim, bara et Adam. Hachem, il a créé l'homme à son image. D'accord? Maintenant qu'on est arrivé à cette partie, je voulais vous dire une Gemara, qu'elle dit comme ça. Est-ce que déjà sur ça, vous avez des questions? Justement, c'est ça. Ça veut dire l'étrog dans l'image. Bien sûr, l'étrog, comme une fleur, tu l'as arraché. Combien de temps elle va rester dans les vases? Une très belle qualité, maximum 5-6 jours. Mais les trop dans les spiritualités. Si tu fais Torah et les mitzvot, mais tu n'as pas les liens pour Hachem, tu ne comprends pas que c'est pour Hachem que tu es en train de faire les choses. N'importe ce que tu fais. Malheureusement, j'ai donné l'exemple que Hachem, les navis, les prophètes, il dit Alma avda aretz. Chachamim, comme ça, il y a une Gemara qui dit pourquoi la terre était détruite. Alors, ils ont poser la question à plusieurs. Hachem Bassof, il a dit Alma Harvar, pourquoi la terre était détruite que Beth Amikdash? Pourquoi? Hachem, il dit Alazva Metorati. Qui peut voir une chose pareille? Nous, on voit une personne, il prie comme ça, il a une barbe, une femme, tout. Tu dis waouh, c'est là, Betach, il est proche comme ça d'Hachem. Hachem, un homme, Adam irait la Enaim, Hachem irait la Levav. Un homme voit avec ses yeux, Hachem, Choker, Lev et Kleot, Hachem, il comprend, il n'y a rien qui les cache. Donc, quand Chachamim, ils ont demandé, et tous les prophètes, tout le monde, dit pourquoi la terre était détruite? Qui a répondu? Qui l'a dit? Alazva Metorati.
Hachem il a dit parce qu'ils ont lâché la Torah. Racham lui dit comment on lâche la Torah? Un homme peut étudier la Torah et faire des mitzvot et dans les ciels on lui dit non, toi t'es loin d'Hachem. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Maintenant c'est la barre très haut, mais ça veut nous dire que même si tu manges cette popcorn, essaie de le faire avec une kavana. Ok, t'es pas une chassida, tu montes à Olam, demain tu vas faire chez Akol. Fais chez Akol, tu dis, mais Hachem, Akol n'y a bidvaro, Akol n'y a bidvaro. Qui te donne la possibilité de bichal, de vivre? Comment les cœurs, regardez les corps, comment ils fonctionnent. Comment un homme, 120 ans, son corps non-stop, il n'arrête pas. Chaque fois qu'on mange quelque chose, ça, cet aliment, il devient, il rentre dans le sang, il rentre dans le cerveau, il devient une pensée. Est-ce que vous comprenez que c'est, on a une affaire avec c'est des magies, l'être humain. Donc, ok, l'homme, il est magique, mais qui l'a créé, l'homme? C'est là le but, que j'arrive à celui-là qui l'a créé, l'homme. C'est ça mon but. Et pas rester dans les branches, parce qu'on a la racine de l'arbre, on a l'arbre, on a les branches, on a les feuilles, on a les fruits. Imaginez-vous, on analyse les fruits. Laisse les fruits de côté, laisse les branches, laisse les feuilles, pas la racine. Dans la racine, il y a tout. Donc nous, on se soucie comment je vais faire, avec qui je marie, est-ce que j'aurai des enfants. Et la parnassa. Je reste en France ou je déménage. Et patati, patata. Pourquoi toute cette question et toute cette peur et toute cette incertitude sur plein de choses? Parce qu'on n'est pas lié avec mon créateur. Je dois renforcer les liens avec mon créateur. Rappelez-vous, le Yetzer Hara, comme Baal Shem Tov l'a dit sur notre génération, le Yetzer Hara, il joue sur l'imagination de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme, il est passion. Arrive chacun les nisyonot qu'il a dans la vie. Le Yetzer Hara, il adore de nous imaginer les choses. Il prend toujours des choses dans l'avenir pour te gâcher le présent. Dans l'avenir, tu dis comment tu vas faire? Et comment? Et si? Et ça? Oui, mais la peur que tu vois de l'avenir, c'est dans l'avenir, parce que sur le moment là, sur l'instant qu'on parle, on a peur de rien. C'est quand on pense dans une minute ce qu'il va se passer, ou dans une heure, ou une semaine, ou un an, ou 20 ans, c'est là que... J'ai lu un article, il faut faire attention, la planète, dans 12 ans, c'est la fin du monde, si on ne fait pas les nécessaires. Comment tu peux descendre à ce niveau? Vous comprenez? Donc, ça, il prend de l'avenir, il te gâche le présent. Donc, un homme qui travaille sur les midot, qui essaie de coller à Kadosh Baruch Hu, lui aussi, mesure par mesure, il prend de l'avenir. Hashem iti, à Kadosh Baruch Hu, il est avec moi. C'est qu'est-ce qu'il dit de une des 13 Ikarim de Rambam? Hachem a ça, osé, veyase. Akadosh Baruch Hu, il a fait dans le passé. Il fait dans le présent. Et c'est lui qui va faire dans le futur. Donc l'homme doit répéter constamment ça pour être quelqu'un qui, même si tu es comme l'étrog, que tu fais les Torah et les mitzvot, il faut que ça dure. Il faut que chaque jour, ça dure. Ce que tu comprends. Donc même étrog, il peut être détruit. Pourquoi? Parce qu'un homme peut être dans les Torah et dans les mitzvot et lâcher Hachem. Pourquoi? Parce que putain c'est l'orgueil, putain c'est l'honneur, peut-être l'argent, peut-être X, peut-être Y qui passe dans la tête des gens. Vous savez, il y avait un tzadik comme ça, la Gemara elle raconte que le rabbani, il n'aime pas des titres, il n'aime pas les publicités, il aime un avis, un av, comme on dit, humble, caché et tout. Alors un tzadik, il a dit comme ça avant qu'ils m'ont dit, va être dans un poste important, parce qu'on avait besoin, comme tu dis, un maire, par exemple, pour l'idée, c'est pas un maire, mais comme un juge ou quelque chose très connu. Il a dit comme ça, avant qu'ils m'ont dit, montez, je préférais mourir et ne pas monter. Maintenant que je suis là-haut, s'il me dit de descendre, je préfère mourir et pas descendre. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que l'homme, s'il commence à toucher l'orgueil, l'honneur, l'argent, il y a des choses qu'il peut tourner la tête de l'homme. Bien sûr, bien sûr. Donc il peut, c'est quoi? Ashochad yane et nechachamim, quand l'homme il est corrompu, il devient aveugle complètement. Donc l'argent il peut aveugler l'homme, une relation ou quelque chose. Donc l'homme il doit être constamment, s'il est vrai,
être collé avec Hachem et pas être corrompu, ce que vous comprenez. Donc tu peux être comme un étrog d'extérieur, mais à l'intérieur, tu es complètement loin d'Hachem. Qui c'est qui voit ça? Pas les gens. Personne au monde peut voir. Une femme peut voir sur son mari. On dit que le seul qu'elle connaît, le mari, c'est pas ni sa mère et... ni personne. C'est que sa femme. Quand la femme, elle dit sur un homme qu'il est tzadik, il est tzadik. Parce que la femme, elle connaît Hachem. Pardon, Hachem. Donc, qu'il peut témoigner comment on est dans notre cœur, c'est qu'à Kadosh Baruch. C'est pour ça qu'il faut développer ce point que j'ai dans mon cœur. D'arriver, le hâte, le hâte, c'est pas la quantité, c'est pas il y a des gens qui lisent les Tehillim entiers. Je finis les Sefer. Très bien, magnifique. Mais peut-être c'est mieux de rester. Prends une perique, l'étudier à fond. Mot par mot, quand tu lis les Tehillim, tu as les frissons. Quand tu entends quelqu'un qui lit les Tehillim Vav ou Kaf, waouh, tu dis celui-là, je l'étudie, peut-être c'est mieux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Il faut qu'on travaille la qualité dans notre Avodat Hashem. Et la qualité, c'est quelque chose qui te donne la force à long terme. Si tu travailles la quantité, d'accord, tu vas être comme les Hadassim. Il y a quelle odeur? Fait que les mitzvot, mais après, qu'est-ce qui va me donner la force d'aider encore cette pauvre? Chaque fois, elle est la même histoire. Quand est-ce qu'elle va s'arranger? Ah, il faut l'aider chaque semaine, elle me fatigue. Donc, j'ai plus envie de l'aider. Mais quand tu étudies la Torah et tu travailles tes midot, tu comprends qu'il y a une Hachem, il t'a pas mis par hasard cette personne et que tu dois travailler sur une mida ou une autre mida pendant que tu l'aides. Donc, tout change. Est-ce que vous comprenez où je vais arriver ou pas? Donc, l'intérieur. Donc, je reviens à cette inyan que aujourd'hui, c'est comme des portails comme ça, qu'ils étaient ouverts, grands ouverts, depuis quelques bons, bons, bons années. Et les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, les hâtes, ils se ferment. On dit qu'avant Mashiach, d'accord, les nisyonotes, les épreuves, ils sont, comme on dit, ils commencent à être un peu plus forts et ça va être difficile d'être religieux. Même, ça va être difficile de garder la émouna. Vous comprenez? Mamash, c'est comme un admour, il a dit à son élève, c'est comme monter sur un mur lisse. Tu ne peux pas escalader sur un mur lisse. Comme ça, ça va être dur de garder la émouna. Donc, comment on peut garder la émouna quand on est collé à Kadosh Baruch Hu dans mon intériorité? Peut-être pour les gens, je ne suis pas pratiquant. Mais pour l'instant, je développe cette inyan. Après, l'extérieur va venir comme un quelque chose que tu ne peux même pas arrêter. Des fois, les gens disent, pourquoi tu ne nous dis pas un mot, etc. La tzniut, c'est quelque chose que... c'est pas parce que tu fais parce que tu as peur. Ah, tu fais parce que il y a malheureusement des gens qui ont fait parce que ils ont pu changer un décret avec le fait qu'ils ont pris sur eux quelque chose. Mais tous les actes extérieurs, comme tzniut, comme commencer à faire des mitzvot ou garder des mitzvot, c'est des choses qui peuvent venir très fort quand à l'intérieur, tu as compris quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu restes toujours en extérieur, il n'y a rien à l'intérieur, tu ne connais pas ce lien avec Hachem, tu n'as pas développé, tu peux rester longtemps extérieur, arriver à un moment, tu n'as plus la force d'entendre personne. Rien du tout, tu ne peux plus rentrer rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette simcha. Qu'est-ce qu'il va te donner la simcha? De comprendre que tu es unique, que Hachem il t'aime parce que tu es unique au monde et qu'il ne va jamais pour rien au monde t'échanger par une autre personne. Et de là, comme on a dit l'autre fois, si vous regardez Rak, votre main, qu'aujourd'hui on peut même voyager avec, j'ai même mes empreintes, quoi, les 7 milliards de personnes, il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes? Non. Pourquoi? Hachem, il te fait un petit coucou. Regarde, tu es unique au monde. Tu es unique au monde. Il n'y a pas de personne comme toi. Pourquoi? C'est important. Parce que l'homme, il tombe quand il croit que tout le monde, ils ont... la majorité des gens, ils ont les mêmes pensées, ils ont les mêmes volontés. Ce n'est pas la majorité des gens plus ou moins. Mais la neshama de chacun, elle est unique, elle est différente. Il n'y a pas. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu comprends tout ça, les relations avec Hachem, ils prennent une autre chose, une autre étape, que ça, normalement,
ça doit te procurer une joie. C'est marqué comme ça. C'est marqué mi alé be'ar Hashem ou mi akum bimkom kotyo. Tu montes dans l'ar Hashem, d'accord? Des fois, c'est facile de monter. Ok, vas-y, reste maintenant là-haut, avec une température, pas de condition, et comment tu restes? C'est marqué mi alé be'ar Hashem ou mi akum bimkom kotyo. Qui est celui-là qui peut rester dans cette kdusha, dans ce niveau qu'on a monté? Chachamim, il dit la suite, Naki Kepaim, Bebar Levav, etc. C'est que tu gardes toujours une température ambiante. Ça veut dire quoi? T'es derrière toi. C'est pas comme une waouh, c'est lourd la religion. Non, pas du tout. Tout ce qu'Hachem te demande, tout ce qu'il nous demande, c'est pas pour lui. Hachem, il est parfait. Il est entier, il lui manque rien du tout. Il a créé ce monde, c'est comme tu dis, pourquoi ma mère m'a amené au monde? Qu'est-ce qu'elle avait besoin? Elle était libre, célibataire, faisait des business, elle sortait, elle fait sa vie. Puis donne un bébé, lève-toi 10 fois par jour, inquiète-toi quand il est à l'école, donne-lui à manger, il a attrapé froid, va chez les médecins, amène-la ça. Waouh! Quand il fait 1m80, c'est une autre inquiétude. Après, ils sont... pourquoi tout ça? Parce qu'elle veut que te donner. Hachem t'a donné des enfants, à travers des enfants, si on est chachamim, comprend que la maman ne veut rien d'enfant. Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? Qu'est-ce qu'on veut de nos enfants? Qu'ils soient des tzadikim, qu'ils soient en bonne santé. On est prête à monter à l'Himalaya, rak il ne va pas faire atchou, oui ou non? Kadosh Baruch Hu, il est prêt à tout faire, rak reste dans les projets que je peux te donner, parce qu'une maman ou un père, il ne veut que donner à son fils. Hein? On a donné cet exemple, combien de fois on a dit, quelle maman, quel père au monde, chaque fois que les enfants sont à l'école, voir on pense, ah, je lui fais ça, il aime. Je prépare les pires, ah, j'arrange ses jouets dans sa chambre, je lui fais ci, je lui fais ça. Les enfants, on pense à eux non-stop. À Kadosh Baruch Hu, il pense à toi chaque jour. Il n'est ma fille, elle n'est pas bien. Voilà, elle est triste. Mais le problème, c'est que c'est elle qui m'a renversé la table. Je ne peux pas maintenant venir les servir comme si rien ne passait. Un enfant, il vient, il s'était conduit mal. Tu as envie de lui donner plein de choses, tu es restreinte. Au contraire, tu les punis pour son bien à lui. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il monte, après il descend? Parce que quand il monte, à Kadosh Baruch Hu, il lui monte beaucoup de sourire. Quand on fait tshuva, Hachem, il nous, waouh, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de sensations. Tu dis, waouh, je vais être religieux comme Sarah Imenu. Un ou deux ans après, waouh, il faut Sarah Imenu, il faut les lumières, je ne peux plus voir cette rave, ni la rabbinite, les foulards, il me fatigue. Pourquoi je rentrais dans cette histoire? Là, je commence le travail. Si tu tiens, tu comprends que tout cet obstacle, toute cette contradiction, il cachait une lumière encore plus grande que quand tu es monté. Mais le problème, que plein, ils descendent. Plein, ils montent, ils descendent. Ah, c'est pas pour moi. Ah, il y avait une difficulté. Comment j'ai fait Shabbat? Juste quand j'ai commencé à faire Shabbat, toute ma parnassa a chuté. Donc, c'est ça la religion? Je fais rien. C'est une erreur. Il y a des gens qui ont commencé à faire Shabbat, ils ont perdu la parnassa, mais ils ont eu la parnassa dans le Kodesh. Parce que toute leur parnassa qui est partie, c'était un lavage de toute leur Touma. Que cet argent, il n'y avait pas la bracha. Cet argent, il aurait amené que des épreuves. Donc Hachem, il prend, te nettoie, comme quelqu'un qui a mangé quelque chose pas bien. On lui dit régime, hein? Rien du tout. Il a faim, tu manges rien, tu ne bois pas. 3 jours, tu restes comme ça. C'est cruelité. Pourquoi? Après, quand il s'est propre, tu peux commencer la même chose. Combien de gens Hachem, il prend pour te donner mieux? Jamais Kadosh Baruch Hu ne nous demande pas quelque chose si ce n'est pas nous faire de mieux. Nous, dans notre tête, on est un peu. On a beaucoup d'imagination. Donc on ne peut pas tenir. C'est pour ça, la Gemara, elle dit, la Masechet Iruvin, Noach lo la'adam, shenivra, yoter mishelo nivra. Chachamim, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est deux manières de. Comment on dit, chashiva, d'étude. Deux différents. Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit, Noach lo la'adam shelo nivra. C'était mieux que l'homme soit pas créé. C'est quoi cet homme-là? Pourquoi? Parce que l'homme, il a une partie spirituelle,
la neshama, une partie du corps qui vient de la terre. Donc, c'est mieux qu'il n'était pas créé, parce qu'il regardait. Il faut qu'il mange, il veut dormir, il veut plaisir. Il veut qu'est-ce que ce monde égoïste. C'est mieux qu'il n'était pas créé, parce qu'il regarde comment il va fauter. Toutes les fautes de l'homme, si vous regardez bien, c'est par son égoïsme. Je veux, et moi. Beth Hillel, ils ont dit, pourquoi c'est pas bien qu'il était créé? Bien sûr, c'est bien qu'il était créé. Regardez où il vient, la neshama. En dessous des troncs célestes. Mitachat kisa kavod, la neshama, elle vient. La neshama, l'homme, il peut dépasser les anges. Les anges, ils n'ont pas le choix. L'homme, il descend dans ce monde. Il doit respecter ses parents, il peut ne pas le respecter. Il peut voler, il peut ne pas voler. Il peut tuer, il peut ne pas tuer. Il peut manger ce popcorn comme un animal, il peut le manger comme un tzaddik. Donc c'est bien qu'il est créé parce qu'il peut élever les végétaux, les minéraux, les vivants, toute la créature. Beth Shama, ils ont dit non, c'est mieux qu'il n'était pas créé. Qu'est-ce qui s'est passé à Dor des Noirs, là, la paracha? Les générations des Noirs, c'est une génération hors commun. Ils avaient une facilité. Comme l'homme, il a fauté. L'homme, quand il faute, il n'influence pas. De la même manière qu'on a dit, on amène une chef à quand on fait la bracha. Quand Khalila, l'homme, il va dans le côté gauche, dans le côté mauvais, choisit le mal, il peut ramener dans le monde une destruction. Quand les générations des Noirs, ils ont fauté, c'est pas qu'eux-mêmes, ils ont abîmé. Ils ont abîmé tous les végétales, les minérales, les animaux. La nature d'une pommier, que tu mets une graine de pomme, c'est une pomme qui pousse. C'était des bananes, des artichauts, des choses tout différentes dans les végétales. Les animaux, normalement, mine ou les ruminants, une espèce avec son espèce, ils ont tout à changer. C'était une tohu bavohu dans les générations des Noirs. Donc, Beth Shammah, ils ont dit, regarde, c'est mieux que l'homme n'était pas créé. Donc, comme ça, oui, 2 ans et demi, il y avait ces discussions. Mais Bassov, ils ont dit, ok, maintenant il était créé. C'est qu'on veut ou pas, il est créé, l'homme. Il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Yeshev, vipashpesh, bemaasav. Rachamim, il dit, il s'assoit, il regarde ses actions. Pourquoi? Parce que dès que tu prends le temps de réflexion, Stam, essayez de rentrer chez vous ce soir, Stam, aujourd'hui. Réfléchis, comment j'étais depuis ce matin? Faites le film. Le matin, t'es levé, comment tu étais avec tes enfants, ton mari, comment tu as parlé avec tes collègues, dans l'école, les copines, les gens, la fin de la journée, t'as douché les enfants, tu leur as donné à manger, les devoirs, t'es revenu, t'es parti, tes pensées, tout, tu conclus tout. Ça marche. Et tu regardes comment tu es. Ne fais rien, juste analyse. Le lendemain, fais la même chose. Je peux vous signer à qui il veut ici, je vous signe. J'ai même fait une pari, ce que vous voulez, je vous donne. Une semaine après, je ne dis pas 40 jours ou 2 mois, vous n'êtes plus la même personne. Mais le problème, il est où? Que l'homme, il ne peut pas s'asseoir, veiller, pêche, bémaassav, en temps normal. C'est quand il s'assoit, il regarde ses actions, quand il a une essorim, quand il a une épreuve. La Gemara, elle dit un homme, essorim, baïm, aladab, yeshev, il pêche, bémaassav. La Gemara, elle dit si un homme, il a des petits soucis, on regarde tes actions. Combien de gens ont commencé à donner le maaser depuis qu'ils ont eu un problème de l'argent? Ah, il paraît qu'il faut donner le maaser. De où tu sors? De la lune? C'est marqué partout. Mais maintenant, ils donnent. Ah, il paraît que Shabbat, il faut faire X. Dès que tu commences à voir où il est en action, tu le changes. C'est comme une chose, une lampe était brûlée, hop, tu l'enlèves, tu jettes les anciens, tu mets une nouvelle. Salut, ma baya. C'est comme ça. Donc, le Yetzara, il sait ça. Il ne nous laisse pas d'analyser. Regardez ce qu'il nous a donné, notre génération. Tu peux rester une minute, même quand on parle avec les enfants. Oui, je t'écoute. Oui. Makara, Milchem et Tzofaola, avec le téléphone, avec les pensées. Et il ça. Tu vois, les gens, tous sont, ils courent. Tous. Il n'y a pas le temps. Donc, le Yetzara, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur ça qu'on ne va pas analyser. Il nous envoie énormément de messages dans notre cerveau. On n'a pas le temps de faire une point avec nous-mêmes. Mais dès que tu fais une point avec toi-même, tu vois que c'est mieux que tu étais créé et que tu peux être comme un étrog. Mais si tu ne fais pas cette point avec toi-même,
c'est mieux. Rachamim il dit, si l'homme il fait pas des calculs, tov shinit apra shiliato al panav. Comme on dit la shilia, les cordeaux là quand le bébé naît, c'était mieux que c'était Khalila qu'il aurait même pas sorti. Comme ça les Rachamim ils disent tellement que l'homme qu'il vit dans ce monde sans Torah, sans question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il y a Hachem dans ce monde. Pourquoi je vis comme ça? Quand tu crois que la vie, c'est... La vie, elle passe, tic-tac, 20 ans, 30 ans, 40 ans, hop, 50 ans, 70 ans, puis tant l'homme, il regarde le passé, comment c'est possible? Comme ça, tout est passé. Le temps, il passe vite. Comprenez? Donc, nous, Chacham et Nav Berosho, on t'a rien dit de spécial, simplement analyse tes actions. Dès que tu analyses tes actions, tu ne peux pas rester comme la Arava. Tu ne peux pas, parce que dès que tu analyses ta vie, tu vois qu'il y a un but, que tu es unique quand même, 7 milliards de personnes. Kadosh Baruch Hu me regarde à la millimètre près. Chacun de vous, il ne faut pas chercher comment, mais il faut croire qu'il te regarde comment tu fais mon dernier le matin. Et si tu as fait une étilate, et il est content de ce que tu fais. Le peu que tu fais ou le beaucoup que tu fais, il est content. En plus, quand tu commences à développer un lien avec lui, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il garde la Emouna aujourd'hui dans le monde incertain qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu envoies tes enfants à l'école, on ne sait pas ce qui se passe. On va au travail, on ne sait pas aujourd'hui. Hier, vous avez sûrement attendu ce qui s'est passé. Qui imaginait la personne, elle a mis son fils dans les crèches, elle est partie tranquillement. C'est quoi ce tremblement de terre dans la vie qu'on vit? On entend des choses, c'est Hachem, il fait que chacun comprenne. Bassof, 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 il n'y a pas sur qui s'appuyer. Ni sur ton argent, ni sur ton banque, ni sur ta médecin. Même les médecins, c'est Hachem leur refait. Combien de médecins ils ont resté avec les bouches bées devant des situations? Combien de médecins, les plus grands professeurs, ils n'ont pas pu expliquer? Ils n'ont même pas pu donner la vie à quelqu'un qui a passé une AVC. Tu comprends? Donc, il y a des choses que les plus grandes études te font comprendre une chose. Le but de la connaissance, que tu ne connais rien. Tachlit ayedia, le Rambam il dit, Iayedia. C'est quoi Iayedia? Comprendre que tu ne connais rien. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas étudier toute la Torah. Tu peux étudier toute une vie. Abraham Avinu, vous n'avez pas une idée la chokhma et le génie qu'il était. Avodah Zara, que Masechto d'Avodah Zara, il connaissait 520 Masechot d'Avodah Zara. Mais il était avec Hachem, Tamim. C'est quoi Tamim? C'est que je sais tout, mais je m'annule devant quelqu'un comme Kadosh Baruch Hu, je m'annule. Le problème avec notre génération, que Baal Shem Tov, il a dit qu'il y a beaucoup d'orgueil, qu'Alain, il connaît un quart d'heure quelque chose, où il a fait tchouva demi-heure, Gamar, on le connaît tout, son rab, il est devenu petit, celui-là, ou un médecin, il croit qu'il sait tout. Il faut toujours savoir qu'il y a osé, asa, veyase. Celui-là qui l'a fait, celui-là qui le fait. Chaque seconde que tu respires, c'est lui. Ce n'est pas parce que tu as pris la respiration. Et chaque minute, il te fait vivre. Donc, si tu comprends qu'il y a cette machine qui marche non-stop, non-stop, au moins que je fais un petit coucou à celui-là qui me fait vivre chaque jour. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'Etzara? Il nous fait passer des temps et des temps et des temps sans arrêter, sans dire merci, sans connecter cette créateur qui l'attend que nous, on parle avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le piège, c'est quoi? De ne pas nous faire des points. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il y a plein de gens qui tombent comme des mouches. Quand, tant qu'il y a une fête, tant que tout le monde, la choule, la famille, ils sont ensemble, ils sont bien. Va les voir maintenant, même aujourd'hui. Commence à voir les gens, comment ils sont. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a pas les sources d'énergie. Donc, l'homme doit être comme un puits. Un puits et pas un trou dans la terre. Un trou dans la terre, tu le fais un trou, il y a la pluie, ça remplit. Mais s'il n'y a pas de pluie, il est sec. Un puits, de lui-même, ou non, vea, mitmalé, il est de lui-même, de la terre, il se remplit. Tu peux prendre autant que tu veux de sang, se remplir. Être un puits, il faut commencer
à être quelqu'un que je veux connaître Hashem, je veux être dans les Torah et les mitzvot, mais pas comme une contrainte. Savoir, comme on a dit au tout début, que les 613 mitzvot, c'est 613 tuyaux qu'il me donne des forces. C'est pas que toi tu donnes des forces à Hashem, Hashem n'a pas besoin de rien du tout de toi. Comme tu es sa fille, comme il veut que tu grandis, comme il veut que tu sois épanouie et heureuse et bien, simplement il te dit ça tu fais, ça tu fais pas. Ça pas maintenant, ça plus tard. Ça tu prends ces doses, ça tu fais comme ça. La bête tu l'égorges comme ça et pas comme ça. À col à la millimètre près, il n'y a pas une diouk comme le diouk de la Torah. Comme on dit diouk, précision. Ce que vous comprenez, parce que tout est précis. Quand quelque chose il est précis, il peut même vivre longtemps. C'est quoi le problème quand il y a ou surplus, ou trop, ou pas assez? La Torah, elle te donne les doses. Mais l'homme, il n'aime pas les doses, il n'aime pas les contraintes, il veut faire les choses comme il veut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se rend tout seul dans une manière de vie qui l'attire vers lui des épreuves, qu'il va se réveiller à travers des épreuves. Mais Hachem, il veut que tu te réveilles sans épreuve. Tu n'as pas besoin des épreuves. Parce que déjà, la Avodat Hachem, c'est une grande épreuve. Hachem, il ne t'a rajouté rien du tout. Déjà, ne pas s'énerver, c'est une épreuve. Est-ce que vous comprenez? De penser à quelqu'un de bien, c'est une épreuve. Je sais. J'ai envie de tout raconter à mon mari comment il m'a énervé et je ferme ma bouche. Je dis, à la colle et tova. Je me calme, le lendemain je suis moins énervée, après une semaine j'ai oublié. Mais c'était une épreuve sur le maman. Donc Hachem il dit, combien je vois comment elle travaille sur elle, pourquoi je le rajoute encore des épreuves. Mais quelqu'un qui veut vivre léger, il dit, on profite, je vais vivre comme la Arava. Sur lui, Chachamim, ils ont dit, non, alors je l'en ai voir. Lui, c'est mieux qu'il n'était pas créé. Pourquoi? Parce que tellement qu'il s'est déconnecté d'Hachem, qu'il va attirer les raisons pour qu'il travaille sur lui. J'ai pas compris. Quoi? Je sais pas dans quel moment tu as pas compris. C'est pour ça que j'ai peur que je vous donne beaucoup de donc. Quelqu'un qui s'est déconnecté d'Hachem va attirer toutes les raisons. Exact. Ça veut dire déconnecté. C'est pas que il y a des gens. Chachamim dit il y a le Baal HaSulam que c'est Rav Yehuda Lev Ashla que j'ai tous ces livres, c'est à son nom que j'ai toutes mes cours, Mirtav Meliaou. Donc, Chovat HaLevavot, Chochmat HaMatzpoun. Donc, c'est ça que je ne sais pas toujours vous dire de quel livre et de quel chapitre. Et de quel... Donc, Chamim, il dit comme ça. Il dit il y a deux chemins. Il y a Derech Ktsara Ve'aruka, une chemin qui est courte et longue. Il y a une chemin qui est longue et courte. C'est quoi les longues et courtes? C'est que tu comprends que je suis venu dans ce monde, j'ai un travail à faire. On a reçu un mot d'emploi à Arsenal, il faut plus ou moins le respecter. Donc c'est long. Imagine-toi, tu peux appuyer comme ça sur un bouton, on te dit attends, n'appuie pas comme ça. Il faut prendre les papiers, il faut lire, il faut deuxième fois lire, il faut savoir numéro 1, Z. C'est 7 boutons. Non, tu dis non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime bien appuyer comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle chemin court qu'elle devient longue. Le chemin long qu'elle devient court, c'est celle que tu prends le temps. Chaque chose, tu le prends le temps. Donc ça a l'air long, mais c'est court. Donc il y a des gens qui ne veulent pas. Les Torah, les mitzvot, ça ne me dit pas tout ça. Non, non, il ne faut pas me prendre la tête avec vos cours, les Torah, Shiurim, et tatata. Non, ça, ce n'est pas pour moi. Donc eux, ils l'attirent que Hachem il les réveille. Pourquoi? Parce que d'eux-mêmes, ils ne se réveillent pas. Donc Hachem, il dit quoi? Je laisse mon fils, comme ça il va aller avec ses copains qui n'est pas bien. Et l'autre, il n'est pas bien, il fait des choses. J'ai obligé de le fermer dans la chambre, je ne laisse pas sortir. Mais le fils, il pleure. C'est quoi cette épreuve que mon père il me fait? Pourquoi il me ferme dans la chambre? Il est cruel comme ça, mon père. Mais c'est pour ton bien. Est-ce que tu comprends? Tu m'as compris ou pas? Ça s'appelle chemin court, parce qu'au début, il ne voulait rien entendre, mais avec le temps, d'accord, avec le temps, Hachem ne dit pas, je ne peux pas laisser comme ça mes enfants. Donc il les réveille. Vous savez, Chachamim, il dit, tu connais les canards? Les canards, quand les éleveurs veulent les vendre, les canards, ils se salissent, mais ils se nettoient parfaitement tout seul avec ses becs. Mais des fois, comme ça, Chachamim, ils ont dit comme
les vers, les vite vite vont toutes les canards, donc il veut un bel prix, c'est lui-même qui nettoie. Ça leur fait très très mal. Mais les canards, s'ils se nettoient tout seuls, avec ses becs et ses ailes, ils se nettoient tout seuls. Ça veut dire, c'est pas les avdil. Nous, on n'a pas besoin d'aucune issourie. Akadosh Baruch Hu veut que l'homme d'ici bas, il bouge. Il bouge, il bouge, il bouge. Les gens, ils disent tous, c'est micré. Ah, par hasard. Ah, il a perdu d'argent, c'est par hasard. Il a un problème de santé X, c'est par hasard. Il n'y a pas d'hasard. Un micré baolam klak. Chachamim dit, c'est quoi le mot micré? C'est rak mashem. Tu prends les lettres, même, kouf, fresh, et, tu les mets juste. Comme ça, tu changes les deux lettres. Que d'Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il essaie de te réveiller. Donc, regardez avec les enfants. Ton fils, il t'a mal parlé. C'était, tu étais le matin, tu étais pressé, tu n'as rien dit. Tu reviens l'après-midi, toi, tu n'as rien oublié. Tu lui fais la tête. Tu attends qu'il te dise pourquoi. Ou sinon, c'est une autre clipa, une autre couche que je fais la tête. Après, s'il faut encore quelque chose de pas bien, ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Plein de choses. Après, quand tu vas le punir, tu ne vas pas le punir pour les dernières choses que... simplement, sans faire exprès, tu n'as pas ouvert la porte et tu l'as reçu, c'est que c'est toutes les choses qu'il a fait avant. Mm. Des fois, l'homme, il fait en sorte que en ifra'in min adam, ati nitmala se'ato. Chachamim dit, Hachem, il ne va pas commencer à être dur avec l'homme tant que le verre n'est pas rempli. Mais qui sait quand est-ce le verre est rempli? Est-ce que vous comprenez? Donc, Chachamim, il dit, shuv yom echad ifne mitatra. Reviens un jour avant ta mort. Qui c'est qui a compté son mort, Bezrat Hashem, jusqu'à 120 ans? Nimtsa, Shekol Chayak ou Betchouva. Ça se trouve que toute notre vie, on fait Tchouva, parce qu'on ne sait rien. Donc, c'est quoi la Tchouva? Ce n'est pas maintenant que tu changes toute ta vie, tu n'es plus la même personne. C'est que simplement, tu reviens et tu arranges, tu mets fâche-pêche, tu analyses tes actions. Tu les examines tes actions. Il y a beaucoup de cheshbonot, il y a beaucoup de cheshbonot. Des fois, il y a une chose pour que ça réveille d'autres personnes. Et il y a des cheshbonot que Kadosh Baruch Hu, il a ses calculs. Mais Rashi dit sur le pasuk Tamim, Tiye, im Hashem Elokecha, il dit qu'il faut aller avec Hashem betmimut et pas lachkor, commencer à chercher dans l'avenir. Tiens, il t'en veut le chelko, tu sois avec Hachem, betmimut. C'est quoi betmimut? Être intègre. Qu'est-ce que tu veux faire des calculs? Fais des calculs jusqu'à demain. Mm-hmm. Qui te dit que c'est ça les bonnes ou pas les bonnes? Moshe Rabbeinu, Gvar, il était la moitié corps, la moitié neshama. Mais quand il est arrivé à 120 ans, c'était Isha Elokim. On l'appelle Ish Mitzri quand il était jeune. À la fin de sa vie, on l'appelle Isha Elokim. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ar'enina et darkecha. Rak, je vous dis cette phrase, j'ai la chair des poules. Il dit Hachem, montre-moi comment il faut, comment tu fais ton justice dans cette monde, mon cher Aben. Qu'est-ce que nous, quand on vient ici, entre 80 ou 70 ou 120 ans, on vient à une réincarnation, on veut comprendre toutes les cheshbonot. Vous savez, une fois, je te réponds parce que tu as posé la question. Une fois, les élèves de Baal Shem Tov, comme ça, ils sont venus et disent, Rabbi, on a beaucoup de contradictions, on ne comprend pas les choses. Comment celui-là, il est mort, l'autre, il était tzadik, l'autre, il fait ça, on a peur, et ce n'est pas juste. Et patati, il leur dit, écoutez, je vous mets devant un endroit avec ses rois à côté. Et je leur ai dit, vous ne bougez pas d'ici, vous regardez une scène. Et vous comprenez à la fin. Il voit, comme ça, un homme vient avec son cheval, il a une bourse d'argent. Il arrête comme ça, c'était comme dans le désert, il y avait comme un puits d'eau. Il voit cet homme arrive sur le cheval, il baisse pour prendre de l'eau, il boit, il fait tomber la bourse, il ne se rend pas compte, il s'en va. Deuxième personne arrive, encore avec un cheval, il boit, il se repose, il trouve la bourse de l'argent, il est tout content, il la prend, il s'en va. Arrive les troisième personne. Il boit, il se repose, il dort. Arrive le premier qu'il a perdu. Il lui dit, réveille-toi. Il y a que toi et moi dans tout ce désert. Donne-moi mon argent. Il lui dit, moi je t'ai pris ton argent. C'est quoi tu parles? Je n'ai rien touché. Il le frappe à mort.
jusqu'il comprend que Bémet, il n'y a rien, il s'en va. L'autre, presque, il mord des coups. Donc, les élèves, ils sont venus, ils disent, Rabbi, ah, Allah, c'est quoi? C'est injuste, ce qu'on a vu, les pauvres. L'autre, il a perdu, l'autre, il a pris, tranquille. L'autre, il a dit, regardez, celui-là qu'il a perdu, dans une autre incarnation, celui-là qu'il a volé, le deuxième qu'il a trouvé. Ils ont dit, et le troisième, c'est qui? Il a dit, c'était les juges, qu'il a mal jugé l'affaire. Il a pris des tréras. Donc pourquoi je vous dis ça? Un homme, pour comprendre, est-ce que vous avez compris, mamie? Vous avez compris? Donc c'est quoi l'ignan? Un homme, on vient ici, on croit tout comprendre. Parce qu'on comprend comment il y a un état, dans les, je ne sais pas comment on dit, mais le corps, on comprend un petit peu des choses, un petit peu, on a étudié un petit peu, on croit qu'on sait. Tachlit ayedia, iya yedia. Tout ce qu'on peut connaître, vraiment, on ne connaît rien. Et à partir de là, on commence à aller. Ça veut dire qu'on comprend, c'est pas que, vous savez, ah, tu veux être religieux, donc ne connais rien, n'étudie pas, mets-toi une foulard et c'est bon. Pas du tout. Va étudier toute la Torah. Il faut étudier. Qu'est-ce qu'il dit, le Rambam? Da, le Rambam, il dit, un homme, ou Mesilat Yesharim, un des deux, il dit, Davarishon. Première chose que l'homme doit savoir, le yadea, sheyesh matsui rishon. L'homme doit le yadea, c'est quoi le yadea? C'est pas, il dit pas le amin, croit. Il dit le yadea, c'est quoi le yadea? Va chercher, va étudier, connaître. Yedia, quand tu acquis une yedia, tu as une connaissance, tu as étudié. Tu dis pas, non, crois que j'ai un téléphone. Non, 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 moi je veux vraiment connaître ce téléphone et le, voir comment il est. Donc, il dit, Da sheyesh matsui rishon, ça veut dire qu'il y a une première existence. À partir de là que tu connais cette première existence, qu'il a créé le ciel et la terre, etc., et toutes les animaux et toute ma sebereshit, à partir de là, travaille ta emuna. Là, tu peux être amim. C'est pas être amim. Vous savez, aujourd'hui, la emuna, les gens ils disent, ah, il a la emuna, il est naïf. C'est les gens avant connaissaient rien, ils ont la emuna. Donc la emouna, c'est un peu primitif, pas du tout. Aujourd'hui, être ma'amin, c'est plus grand qu'être quelqu'un qu'il connaît. Parce que regarde aujourd'hui, on connaît plein de choses. Aujourd'hui, waouh, on connaît tout. On a beaucoup de connaissances. Mais tellement qu'on a des connaissances, on a perdu la croyance naïve, comme ça, sans chercher, sans, comme Rashi nous dit. Et c'est ça qu'il est nécessaire. Parce que je peux vous dire, beaucoup de gens, après la guerre, qu'ils avaient une yedia, ils avaient une emuna qui était basée sur des connaissances, ils ont tombé, ils ont devenu kofrim. Mais les gens qui avaient des emuna, ils ne connaissaient pas beaucoup de choses, mais ils avaient la emuna qu'Hachem il est là, sans prouve-moi, montre-moi et cherche-moi. Parce qu'une emuna qui est basée sur trouve-moi et prouve-moi, et si un jour, tu n'as pas trouvé la personne qui t'éprouve, donc les contradictions t'ont fait tomber. Par contre, quand tu as l'émouna que Hachem ou Elohim, il n'y a pas, il n'y a rien d'autre dans ce monde. Et tu te renforces cette émouna, personne ne va te bouger. Est-ce que vous comprenez? Il faut être comme une muraille, pas comme une porte. Tu comprends? Mais pour être comme une muraille, c'est un travail. C'est un travail tout de suite, chaque jour, pas parce que c'est les fêtes et les lumières, je suis dans le haï. Et maintenant, comme la Rava, je vais devenir. Non, il faut être comme les drogues et encore mieux, Bezrat Hashem. Tu as compris les ailes?